Papi Laïs Daouda, 57 ans et je suis co-entraîneur. Papi. La persévérance, je crois. Il y en a tellement. L'impatience. Doudou, parce que c'est un philosophe des conneries. François Gauduche, il s'embarque dans des trucs, c'est pas du foot. J'ai hâte de les voir. Ça peut être un aboutissement de 2 ans et demi de travail, de savoir jusqu'où ils peuvent aller. On leur a toujours demandé de ne pas se fixer de limites. C'est un challenge. Quand on a éliminé une équipe pro pour la première fois, c'était Laval, ici, à Châteaubriant. C'était avec des jeunes joueurs d'ici, et puis il y avait beaucoup de monde au stade. Et puis on avait gagné contre Laval, qui était en Ligue 2. C'était le jour de mes 30 ans, mon premier match. On avait perdu sur tapis vert parce qu'il fallait que j'aie 30 ans révolus. Donc le Stade Rennais est allé au Sénégal et j'ai su que j'étais né à 22h47. Et donc ils n'avaient pas, à l'heure du match, 30 ans. Mais après ils sont revenus parce que c'était le jour qui comptait, c'est pas l'heure. Voilà. C'est un artiste sénégalais, il s'appelle Tion Sek. Et donc il est décédé il y a 8 jours. Et donc on l'entend avec les hommages et tout ça. Donc pour l'instant c'est l'artiste du moment. Ouais. Ha 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 ha.